Ok. Bonjour à YouTube, Facebook. Donc, je suis en train de faire un séminaire là. Et cette partie est assez sucrée. Donc, je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Donc, dans cette partie du séminaire, ce séminaire sur comment créer plusieurs sources de revenus. On arrive à un niveau où tout le monde se dit dans la conversation, j'ai cette sensation de. C'est comme si je vis la vie qui n'est pas la mienne. Je suis fatigué d'essayer. C'est comme si ce n'est pas moi. Donc j'étais en train de leur raconter mon histoire dans la partie où j'ai arrêté le travail pour quelqu'un. Parce que parfois on les choisit. Vous m'écoutez depuis 6 mois, 4 mois, 2 mois. Vous avez encore peur. Il y a encore la programmation de la société dans laquelle vous êtes. Et cette programmation-là, ça vous fait croire que votre avance, je sais pas, votre libération va venir d'ailleurs. Donc en 2016, j'étais care assistant. Care assistant, ça veut dire j'assistais les personnes qui ne, on les appelle comment? Les personnes âgées, voilà. Facebook, attendez un peu s'il vous plaît. Même ceux qui sont dans l'atelier avec moi, attendez. Recording stopped. Une minute s'il vous plaît. Je reviens. Ok, je suis de retour. Recording in progress. Donc le souci qu'on a souvent, c'est que quand on reste quelque part, on attend que ça vienne, le prochain truc vienne nous trouver avant qu'on quitte. Je suis donc, j'étais care assistant. Et je me rappelle cette nuit en particulier, je suis allée bosser. Ce que je faisais quand je travaillais en tant que care assistant, je mettais toujours mes écouteurs la nuit. Donc quand je finis avec les patients, les clients, je crois que de minuit à 3 heures, on avait un peu de break. Donc je mettais mes écouteurs, j'écoutais la motivation, j'écoutais les livres. Une nuit, ils m'ont mis dans un département qui n'était pas le mien. Et je considérais déjà arrêter de travailler. Mais quand je venais de décrocher un CDI, tout le monde me disait, waouh, tu as la chance. Waouh. Et tu as la chance. Et moi, je me disais, j'avais peut-être 1100 pounds le mois. Pour moi, je savais que ça, c'est pas ma destination finale. J'avais les longs yeux. J'arrive cette nuit-là, ils me mettent des malades, ils me mettent dans un rayon, je crois qu'il y avait des schizophrènes. Et
Généralement, je travaillais avec les vieux qui étaient en santé, mais qui étaient juste vieux, fatigués. Mais on m'a mis là-bas avec schizophrène. Ce qui fait que la nuit, là, ils m'ont griffé. Et ce n'était pas mon département. Parce que quand tu fais le care assistant, tu t'habitues à tes patients. Donc quand tu arrives, tu connais qu'elle est boite ça, elle est fait comme ça. Donc tu as, c'est la routine. Et au lieu d'être quatre care assistants, on était deux. Moi, ils ne connaissaient même pas comment ça fonctionne là-bas. Ils m'ont griffé la nuit. Ils m'appellent le soir de la chambre du maire, là. Elle m'a griffé. Je suis rentré. En rentrant le matin, là, je me rappelle, j'ai juste émis un désir à la nature. J'ai dit, c'est fini. Je vais quitter mon boulot, là. J'arrête. Donc, voilà. Je rentre à 8h. Parce que c'est fini à 8h. C'est 8h, 20h, 8h. J'arrive à la maison, je me couche. Dès qu'elle met la tête comme ça, 9h30, le téléphone sonne. Madame, vous avez déposé une application ici là pour. We need a receptionist, something like that. We have a vacancy. J'ai demandé que si c'est n'importe quel boulot, je viens dans le sommeil. On dit, venez à 13h. Je raccroche le téléphone, je dors encore un peu. Je me suis levé à 12h. En fait, ils m'ont envoyé pour travailler 3 semaines à Jaguar. Land Rover. Ceux qui sont en Angleterre, la CVM. Oh my God, j'ai oublié un peu. C'est vers la zone des riches là. Donc, à Jaguar, je devais remplacer une réceptionniste pendant 3 semaines. Elle était en vacances. C'était en août. Tu t'assois, tu donnes le café aux gens. Ils entrent, tu dis, Hi, can I have you? Tu es seulement gentil. C'est tout, hein. Et on me payait une fois et demie plus que. Non, pas une fois. Le care assistant me payait 6,50 de l'heure. Et les gens là devaient me payer 11 pounds de l'heure. À Birmingham, c'était vers Sutton Coldfield. Sutton Coldfield. Voilà. À Birmingham. Donc, je vois que vous me payez 6,50. Je ne dors pas ma nuit. Je pars, on me griffe. L'autre, ici, là, je m'assois. Je peux prendre le cappuccino si je veux. Je parle avec les gens qui sont riches. Et les riches sont gentils. Hein. Jesus. Ils sont gentils, oh. Tu vois, un homme arrive, il dit, oh, voilà, je vais faire un cadeau à ma femme. C'est vrai qu'elle ne sait pas encore. J'hésite. Je prends la F-Pace ou bien je prends la... Il hésite un peu. Il dit que mince, on a des problèmes différents sur la Terre. J'ai fait mes 3 semaines là-bas. J'ai dit que j'arrête. Je ne travaille plus pour quelqu'un. Bon, dans le séminaire, on était à la partie où chacun était en train de... Il avait une sensation de méconfort, genre... J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. On me dit toujours que je ne dois pas travailler pour quelqu'un. On me dit toujours. C'est vrai, voilà le Covid. Tout le monde va se dire, si j'arrête de travailler pendant un mois, je vais faire comment? Quand j'ai arrêté, 2 mois plus tard, les séminaires que j'ai fait maintenant là, c'est depuis 2017, 2016, la fin de 2016 que j'ai lancé les séminaires. J'ai commencé, j'ai lancé The Gifted Gay Academy ici. Moins de 2 mois après que j'ai arrêté de travailler pour les gens. Quand j'ai arrêté comme ça, j'ai commencé à visualiser. J'ai dit, voilà, je veux. Il y avait une coach là que j'ai vue en ligne. Que j'ai envie, il faut que je travaille avec la femme. Donc j'avais une personne qui me soutenait bien, qui était au pays. Une personne qui s'occupait de moi financièrement pendant un moment, qui m'a élevé en fait. La personne m'appelle et me dit, voilà ta vie. Hein? Tu es en Angleterre depuis tout ce temps. Tout ce que tu as fait, c'est seulement accoucher. Je veux que tu changes ta vie. La personne m'a envoyé 1 million de francs CFA. Que repas à l'école. Sur son sage, j'ai regardé mon âge. Je n'étais pas âgé. Hein? Il dit que non. Et la période où elle a envoyé l'argent là, je visualisais et je me voyais en train de payer la coach là. Le VIP day avec elle, c'était 1 000 pounds. Devait passer 5 heures de temps avec toi. Il disait que Seigneur, je sais que je vais faire comment. Et le temps là, quand j'avais arrêté, de travailler pour quelqu'un, j'ai commencé à faire des croquettes.
les beignets, les ceci. Et pendant que je découpais mes croquettes, j'écoutais les livres et je visualisais beaucoup. Je reste comme ça là. Après 2 mois de visualisation, la dame là m'envoie 1 million. Elle me dit, voilà, c'est la dernière fois que je donne mon argent dans ta vie. Fais ce que tu veux. Je reçois l'argent là comme ça. Et que je veux être coach. Et je sens que la femme s'y va m'aider. C'était une blanche, une anglaise. Bonsoir alors. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'ai pris les 1000 pounds là. J'ai déposé ça directement sur le compte de la dame. Bonsoir la coquette. Je suis parti, j'ai fait le VIP avec elle. Elle s'est assise avec moi. On a fait la roue de la vie. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Quand j'ai regardé côté carrière, impact sur la vie des gens, côté business et finance, j'ai compris que si je n'étais pas à l'école, je voulais devenir avocate. L'université de Wolverhampton m'a même donné la mission. Je voyais que je vais finir, je vais rester sur un salaire de 3 000, 3 500 pounds le mois. Je suis sorti de chez elle le jour-là. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait faire clairement, comment ça allait se passer. Mais s'il y a un truc que je savais, c'était que je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Donc, quand elle lui a donné les 1000 pounds, je n'avais plus. J'avais pu me rester peut-être 200 pounds. Peut-être 6 semaines plus tard, j'ai eu l'argent, assez d'argent pour payer un vidéographe. J'ai fait la bande-annonce de The Gidig Academy. J'ai loué les choses. J'ai dépensé peut-être 800 pounds encore, 4 semaines plus tard. Alors que dans le boulot où j'étais, je touchais. Quand on avait les taxes, je me retrouvais dans 980 pounds. Je me suis rendu compte que l'argent, je ne travaille pas pour quelqu'un, mais l'argent vient à moi plus que si je travaillais pour quelqu'un. Peut-être tu m'écoutes. Et là, peut-être tu écoutes, tu es obligé de mon boulot, tu es en train de nettoyer les. Tu es qui assistant ce soir, c'est que tu m'écoutes là. Ce que je vous dis là, ça fait 5 ans. Hein. Et. Je sais que j'impacte les vies des gens. Je sais. On n'a pas besoin de me dire. Les choses que je vis aujourd'hui sont les choses que j'ai visualisées. Il y a cela 4-5 ans. Ce sont les choses que j'ai vues. Et en agissant dessus, ça n'avait pas de sens. Tu dis que tu veux impacter les gens. Regarde-toi. Single mother. Pas de boulot, pas de diplôme. J'avais une vision. J'avais mon courage pour agir. Il y en a parmi vous, vous êtes encore de travailler pour quelqu'un. J'ai rejoint beaucoup de marketing de réseau. J'ai été chez Salon Master. On te faisait pas, on te montrait comment faire. Tu pars pendant une soirée chez une famille. Tu prépares devant eux, tu leur montres comment utiliser la machine. J'ai fait ça 2 semaines. J'ai dit que même le marketing des réseaux, je ne suis pas dedans. Non. Je ne suis pas dedans. Au lieu de prendre mon énergie, je ne veux pas rendre quelqu'un riche. Et c'est ce que. Je vous dis comme ça parce que c'est ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Mais c'est comme si on vous a attaché. Je tourne, je tourne. Je me dis tout que la seule option pour moi, c'est de repartir travailler pour quelqu'un. Il y aura des moments où vous allez dépenser tout ce que vous avez. Payer un séminaire comme là, on est en train de faire un séminaire ensemble. Vous avez vu que la première partie de ce séminaire. J'ai passé 1 heure, on a travaillé seulement sur l'énergie.
Certains d'entre vous, on vous voit, on dit, waouh, tu es beau. Jesus. Tu dois appuyer les présidents. Parfois, on te regarde. Tu es riche, ma chérie. Regarde-moi, tu es belle. Non, non, non. Seulement lui pour ta peau là. Hein. Tu es riche. Et tu connais que même l'argent, seulement pour manger le jour, là, c'était chaud sur toi. La clé de l'affaire, c'est l'énergie. L'énergie. Il y en a parmi vous, vous ne vous voyez pas en train d'avoir une voiture demain. J'ai reçu une dame hier, j'ai fait le direct avec elle hier, quand elle était dans la salle là-bas. Je lui demandais de déclarer ce qu'elle veut. Elle parlait timidement. Quand j'ai fini le direct là hier, la femme l'a encore prié, parce qu'elle a éclaté en tongue ici là. Chakarababa, chakarababa. Je reçois. Je dis que yé. C'est toi qui me parlais parce que tu as le nom. L'énergie, la vision. Il est temps pour vous que vous commenciez à fonctionner dans l'argent que les gens voient de vous. Sans passer par l'illégal. Jacques, tu restes, tu fais ton business, c'est legit, tout est propre. 10 000 dollars par jour. Bien. L'énergie. Avec 10 000 dollars par jour, tu peux t'acheter toutes les villas que tu veux de la terre. Votre problème, c'est l'énergie. Il y en a parmi vous que vous devez quitter le boulot où vous êtes là. Te voilà. Une heure avant que tu me partes au boulot, tu es à de mauvaise humeur. Tu traînes du pas. Tu arrives, tu déposes. Tu fais même 15 minutes dans les vestiaires. Avant de sortir pour aller travailler. Parce que tu connais que ça, ce n'est pas ta portion. Bon, Facebook. Je lui ai dit qu'avant de raconter l'histoire, si je devais vous mettre pour écouter. Tout est énergie. Donc, Facebook, je vais vous dire au revoir. Parce qu'on continue, je vais continuer le séminaire. On finit à 5 heures. Je suis une note pour fermer. Tout part de l'intérieur de vous. Votre mari n'est pas votre problème. Votre boss. Est-ce que ton boss t'a attaché la corde sur ton pied pour que tu puisses travailler demain? Est-ce que ça empêche que demain tu vas partir travailler? Un jour, je me suis dit, je fais du 8h, 20h. Si je m'assois, je savais que je suis intelligente. Si je m'assois moi-même à la maison, je fais 12 heures de temps, comme si je travaillais pour moi. Je sais que je ne peux pas faire 2 mois, je n'ai pas un revenu. C'est effectivement ce qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai des employés, j'ai. L'entreprise est tellement en train de grandir, une allure. Il fut 2 fois de ma vie, j'ai pris le bureau à Birmingham. Je me levais le matin, je m'assois au bureau. Je n'ai même pas un client. Je fais les vidéos, je fais les vidéos. Je parle, je dis voilà, bienvenue dans cette conférence. Il n'y a personne qui me regarde. J'arrive en France, pareil. Je prends un bureau. Je paye le loyer. Et avant d'accomplir ton rêve, tu dois toujours... Ça, c'est pas la cigarette. Je suis une ancienne fumeuse. J'ai fumé dans ma vie. Donc, c'est pour ça que vous voyez, j'arrête ça comme c'est la cigarette. Vous allez voir que... Je suis resté à les épaules de ma vie. J'ai dit... Je vais pousser jusqu'à ce que je vois quelque chose.
Et j'avais développé toujours un système où, voilà mon rêve, je fais le coaching. Personne n'est encore là. De 4h30 à 9h, je fais les croquettes, je vends. Je sais que les croquettes vont me donner l'argent cash là, là, là. Avec le cash là, ma fille ne manque pas. Je paie mon loyer. Et j'avais aussi fait un système où je faisais du Airbnb. Airbnb, je lave, je prends les vêtements le matin, je mets dans la machine à laver. Donc j'avais développé des petits sources de revenus. Et vous savez que le séminaire qu'on est en train de faire, c'est comment développer plusieurs sources de revenus. Tu ne peux entrer dans ta destinée sans développer la capacité d'avoir des sources de revenus qui vont te soutenir en attendant que ce que tu as vu se réalise. OK. Bon, Facebook, je vais vous dire au revoir. C'est qu'on vous donne, on vous dit qu'il y a le séminaire, vous ne payez pas. Vous croyez qu'on est là pour vous tromper. OK. Bonne journée. À tout à l'heure.